c'est vraiment du domaine de spécialiste. J'ai retenu crise existentielle, angoisse, conflit d'identité, sentiment de désespoir. Donc en fait, c'est pas seulement regarder Internet et puis voir un appel au djihadisme qu'on se radicalise. D'après ce que j'ai compris, c'est un phénomène beaucoup plus complexe que ça. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce message. Alors, je vais vous présenter rapidement Khalid Abekirim. Donc, dans le programme, on a vu que c'est un ancien membre des Frères musulmans. Ce matin, il y avait des grands discours sur les Frères musulmans, auxquels vous n'avez pas assisté. Et il est auteur de « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ?». Donc je pense que c'est vraiment un exercice de terrain, un témoignage de terrain. Il va nous parler sur la réussite et l'échec du programme de déradicalisation en France. Voilà, à vous, Fanny. Merci beaucoup. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui me concerne, je ne suis pas sûr véritablement d'aborder les choses telles qu'elles viennent d'être présentées. J'aimerais vous dire en guise d'introduction un petit peu qui je suis effectivement et d'où je viens et ce qui fait que j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui auprès de vous. Et je commencerai peut-être en disant ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un expert de la dite radicalisation. Ni un expert du fondamentalisme ou de l'intégrisme, je suis juste quelqu'un qui, à un moment donné, dans son histoire, s'est retrouvé embarqué dans une aventure qui s'appelle l'aventure des frères musulmans. Et c'est peut-être un petit peu de cela dont je vais vous parler, parce qu'il y a peut-être matière ici dans cet itinéraire, qui est le sous-titre du livre évoqué par le président de séance, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, itinéraire au cœur de l'islam en France. J'insiste beaucoup sur le « en », peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, j'ai effectivement écrit un livre qui est sorti tristement 10 jours après les attentats de Charlie Hebdo, ce qui a donné une visibilité à l'auteur de ce livre et qui m'a amené à parcourir un certain nombre de plateaux télé et de radio. Et chemin faisant, je me suis trouvé sollicité ici et là par un certain nombre de personnes concernées de près par ces questions-là. Et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie invité à intervenir en prison auprès de détenus qui étaient considérés comme potentiellement, et je vais mettre plein de guillemets, radicalisables. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire personnellement, mais bon, voilà, on vient d'avoir une intervention qui nous en a parlé, il fallait faire attention avec ce terme, puisque on pourrait le considérer, pour aller très vite, comme un mot valise dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi, quand c'est pas n'importe qui. Donc je me retrouve comme ça sollicité par la directrice d'une prison, qui est la prison de l'Avançon, on est sur ça, et qui me dit qu'elle a un public assez particulier, problématique, donc de très très lourdes peines, des gens qui ont entre 15 et 30 ans de prison à purger, et elle me dit, voilà, dans le cadre de sollicitations, nous aimerions, après vous avoir entendu à la radio, que vous puissiez intervenir dans ce cadre-là. La première question que je pose en général, mais c'est pourquoi faire? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et la réponse, et j'en doute à personne, c'est on ne sait pas. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je suis humoriste, au passage, voilà, faut que vous le sachiez, c'est mon métier, je suis comédien, humoriste, ça en fait sourire, c'est bien. Non, et il a énormément de talent, vous pouvez regarder Farid Abdelkrim sur Internet, c'est assez impressionnant, et il a la particularité de dire de grandes vérités avec de l'humour, et ça passe bien, c'est comme les essuie-glaces d'une voiture. C'est mon manager, je ne le savais pas. Et donc, elle me demande si je peux venir jouer mon spectacle. Et je lui dis, non, on ne va pas faire ça, parce que vu le profil des détenus, on ne va pas y aller comme ça, en tête brûlée. Ce que je peux vous proposer, en revanche, c'est peut-être
la mise en place d'ateliers théâtre avec eux, et c'est ce qui a été accepté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prison d'Alençon, il y a trois maisons centrales, la MC1, la MC2, la MC3. Et donc ce qu'il fallait, c'était bosser avec les détenus de MC2 qui sont les plus fragilisés parce que les plus jeunes. Donc on a essayé de mettre ça en place et ça n'a pas fonctionné. On a fait deux séances où les gens sont venus et puis après il y a eu un certain nombre de problèmes. Donc j'ai été réorienté vers la MC3. Là, j'ai proposé donc de changer l'atelier théâtre en café palabre. Donc voilà, je viens avec mon thermos de café, je m'installe et c'est open bar en ce qui concerne la discussion qu'on peut avoir avec les détenus. Et j'ai conclu cette série d'interventions, en tout cas d'échanges, avec une représentation de mon spectacle. Je vous raconte une petite anecdote et puis ça pourra peut-être nous amener à réfléchir. Un des détenus qui était présent, qui a participé à l'ensemble des ateliers, qui a assisté à la représentation qui clôturait nos rencontres, m'a dit, après que je lui ai demandé ce qu'il avait pensé du spectacle, il m'a dit franchement, je vais te dire ce que je pense de ce que tu as joué. C'est un converti, il s'appelle Grégoire, et se fait appeler aujourd'hui Elissa. Il m'a dit, pour moi, le spectacle que tu viens de jouer, tu vas aller cramer en enfer. Donc moi, personnellement, je l'ai pas mal pris, j'ai souri, puis on en a discuté. Et pour lui, le fait de tourner en dérision certains comportements que peuvent avoir certains musulmans, c'est d'une certaine manière blasphématoire à partir du moment où on ne le fait pas entre nous. C'est-à-dire que c'était ça son problème. Quand j'ai joué mon spectacle, il y avait des surveillants, il y avait un responsable du SPIP, et donc c'est ce qui lui posait problème. Même si ce que j'ai joué lui paraissait être juste, le fait de l'avoir joué devant eux, les autres, ça lui a posé problème. Et permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse qui me semble être importante sur la notion de « eux ». Cette notion-là convoque une autre notion qui est celle du « nous ». Donc une construction binaire dans un monde où nous sommes censés être des citoyens appartenant à une seule communauté, la communauté nationale. Et là, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que des gens, aujourd'hui, en 2016, continuent à croire qu'on peut vivre dans un monde comme ça, où il y aurait nous et eux. Comprenez par là, nous, les détenteurs de la vérité, c'est-à-dire les musulmans, et eux, tous les autres, les mécréants, les kofars, etc. Alors, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur sur les gens que je rencontre. Attention, il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. J'ai été exactement comme ça à l'époque où moi, j'ai décidé d'intégrer la confrérie des frères musulmans. Alors, au passage, les frères musulmans existent bel et bien en France. Hein. J'entends beaucoup la presse dire l'UOIF proche des frères musulmans. Non, l'UOIF, ce sont les frères musulmans. Ce n'est pas une dénonciation, c'est juste une énonciation. Je ne fais que dire ce qui est réellement. Ce n'est pas illégal d'être frère musulman en France jusqu'à preuve du contraire. Sauf que, et au sein de l'UOIF, et dans certains médias, on n'ose pas encore affirmer qu'il s'agit là des frères musulmans. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque j'intègre la structure des frères musulmans, je reviendrai sur ce que je vous disais à propos des prisons. J'ai à peu près 18 ans. On vient de perdre un ami qui s'est fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire. Il était en train de cambrioler une maison. Et ce que je dis souvent, c'est que pas mal de jeunes gens que je connais se sont dirigés vers la religion, ont décidé d'entrer en religion, mais pas pour les bonnes raisons. Et moi, au départ, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. C'est un malaise que je suis en train de vivre parce qu'un ami vient de se faire tuer. Et spontanément, parce que je suis de culture musulmane, mais pas du tout pratiquant. À l'époque, il faut le savoir, je fume, je bois, je sors avec les meufs, je fais des braquages, des cambriolages, et toutes ces choses-là. Ça fait partie de mon passé. Et bien, on est dans un centre socioculturel, et là, spontanément, sans qu'il n'y ait d'imam, parce que, et ça, je suis obligé de préciser, à l'époque, il faut le savoir, il n'y a pas de parabole. Il n'y a pas beaucoup de mosquées, il n'y a pas de chijab, il n'y a pas de bar. On est en 1985. L'islam visible n'existe pas encore. Nos mamans, à nous, ne portent pas le voile. Elles sont, dans leur manière de s'habiller, très occidentales. Eh bien, dans ce contexte-là, dans le centre socioculturel où nous sommes, et où nous sommes les patrons, nous décidons de consacrer une pièce dans laquelle nous avons déroulé un morceau de moquette, apporter un poste cassette et y faire tourner le corps en boucle. Et sur la porte de ce local, on va écrire « Ne pas entrer avec ses chaussures ». On s'y installait pendant des heures sans faire la prière, sans que quelqu'un ne fasse de discours,
c'était juste pour nous le moyen de faire un deuil sans la moindre assistance psychologique, parce que nous vivions quelque chose d'absolument dramatique, selon moi, mais qu'on n'a pas forcément mesuré à l'époque. Et ça aurait peut-être été intéressant à ce moment-là qu'on puisse avoir un petit soutien, ou en tout cas qu'on nous fasse parler. Le seul soutien psychologique qu'on a eu, on l'a eu à la mosquée quand on est parti faire la prière mortuaire, Salat de Janaza. On a rencontré un imam, de l'époque, un imam d'origine irakienne, donc étudiant en doctorat de chimie nucléaire, je crois, ou quelque chose comme ça, un truc qui fait peur en tout cas. Mais quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas, qu'on n'avait jamais vu, et ce jour-là, quand on est arrivé, on s'attendait à entendre un discours sur nos fins derrière et peut-être atténuer les angoisses de ce moment-là. Et au lieu de ça, cet imam nous a parlé du conflit israélo-arabe et donc des juifs en particulier. Et j'ai appris par la suite, puisqu'il va être mon cheikh, mon mentor, que c'était le responsable le guide des frères musulmans au niveau local. C'est auprès de lui d'ailleurs que je vais prêter allégeance, cette fameuse allégeance qui nous engage à faire preuve d'obéissance, de discipline, quelles qu'en soient les circonstances, pour transmettre et propager la religion au maximum. C'était en gros ce que disait le pacte d'allégeance de l'époque. Alors si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des brèches qui se produisent dans le parcours d'individus, et ce sont précisément, en tout cas à certains moments, dans ces brèches que choisissent de s'introduire un certain nombre de personnes. Je me suis retrouvé donc avec les frères musulmans, on m'a présenté le fondateur du mouvement, Hassan al-Banna, donc cet égyptien qui a vécu au début du siècle dernier, comme un révolutionnaire, et sans doute l'a-t-il été, cette réalité m'échappe en réalité, parce que ça se passe à des milliers de kilomètres de chez moi, et parce que c'est un tout autre contexte, il y a des années de cela. En tout cas, je le vois, moi, Hassan al-Banna, comme quelqu'un qui me fascine de la manière dont il m'a été présenté. Et il faut savoir qu'il m'a été présenté de cette manière-là, après avoir subi la même fascination, mais avec un autre personnage, un peu plus tôt, qui s'appelle Antonio Montana, donc personnage incarné par Al Pacino dans un film de Brian De Palma qui s'appelle Scarface, et qui est un film qui fait encore des ravages jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, je suis intervenu à Belfort devant un groupe de 150 lycéens au lycée Diderot, et j'ai posé la question, qui connaît ce film et qui l'a vu? 50% du public avait vu ce film. C'est un film qui a plus de 30 ans. Donc il y a 30 ans, quand je vois le film, moi, le personnage me fascine. Donc après, il y a Hassan al-Banna, après il y a Malcolm X. Donc dans ma tête, j'ai besoin d'individus comme cela pour m'inspirer dans ce que je vais faire. Donc voilà, les frères musulmans sont là, j'en suis un. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au départ, il y a une véritable quête me concernant. Une quête de sens. Et c'est souvent le cas chez beaucoup de jeunes gens que j'ai pu rencontrer. Il y a véritablement ce souci, cette envie de chercher quelque chose. Et j'aime utiliser cette formule, il y a une quête de sens, mais malheureusement, il n'y a pas le sens de la quête. Hein? Il n'y a personne pour vous montrer, en tout cas, vous permettre de vous interroger si vous êtes en train de faire les bons choix ou pas. Il y a des gens qui viennent, qui vous récupèrent, qui vous font croire qu'ils sont là pour servir Dieu et les hommes, et qui en réalité se servent de Dieu et les hommes, parce qu'ils ont des intérêts personnels, et parce que beaucoup chez les frères musulmans, je parle de ceux que je connais, sont devenus à terme très rapidement des entrepreneurs politiques, et pour certains ça fonctionne plutôt bien, et donc ils ne sont pas prêts à lâcher tout cela. Et moi l'idéal de départ se casse la figure très vite, parce que de cette quête de sens et de cette envie de donner une dimension spirituelle à mon existence, je vais me retrouver très très tôt face à une espèce d'abîme, et un vide spirituel phénoménal. Et ça, il faut que je puisse le combler. Alors, je vais le combler via un militantisme acharné. Quand je vous parle d'un militantisme acharné et d'un changement, ici, je vais utiliser le terme à dessein, un changement radical d'existence.
j'ai absolument tout arrêté.